Nous saluons la décision de l'IA de lever les mesures conservatoires qui ont été prises à l'encontre du proviseur, du censeur et du surveillant chargé de l'orthographie du lycée Aoun Sané. Cette décision est l'aboutissement d'un processus de négociation que nous avons entamé depuis le début de la crise. Il faut noter qu'il y a beaucoup de personnes et d'autorités qui ont intervenu pour le règlement de cette crise. Je veux nommer le marabout imam du département de Bignona et la Fa Sou Bodian. Je veux nommer le curé du département de Bignona. Mais les médiateurs qui sont intervenus dans ce dossier, que je ne veux pas nommer, mais surtout la dernière intervention est celle du comité national du dialogue social, secteur éducation et formation. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'école dans la région de Ziguinchor doit fonctionner normalement par cette décision et que nous ne devons plus avoir de soucis pour la fin de l'année scolaire dans le département de Bignona. C'est pourquoi nous tenons à saluer l'IA, à féliciter l'IA pour cette décision majeure qui a été prise. Donc, merci à l'inspecteur d'académie, merci à tous les acteurs qui ont intervenu pour le règlement de cette crise et nous prions pour que des crises pareilles ne puissent pas renaître dans la région, puisque la région de Ziguinchor ne mérite pas ce genre de crise, surtout dans le secteur de l'éducation.